Au cours de la première séance, je vous avais parlé assez longuement de la question du genre de relation que la philosophie doit entretenir ou ne pas entretenir pour certains avec les sciences. Je suis d'ailleurs revenu à nouveau sur cette question au cours de la semaine dernière en vous parlant notamment de la position adoptée par Michael Dummett, qui est un des rares philosophes, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore de temps en temps, qui pense qu'il n'y a pas de raison déterminante de renoncer à l'espoir de voir la philosophie réussir un jour à la fois à maintenir l'exigence de systématicité qui la caractérise et à adopter un style et une méthode qui pourraient être qualifiés de scientifiques. Les deux choses, d'ailleurs, pour Dummett, sont vraiment liées de façon tout à fait étroite. C'est un petit peu la question de savoir si la philosophie peut et doit être systématique, ce qui est le titre de l'article dont je vous ai parlé assez longuement. Cette question est un peu la même chose que de savoir d'abord si oui ou non la philosophie, s'il est légitime de considérer la philosophie comme constituant ce qu'il appelle de continuer à la considérer comme constituant un secteur de la recherche de la vérité, et d'autre part, puisque les deux questions dans son esprit vont ensemble, il y a aussi la question de savoir, et c'est un peu la même, si la philosophie peut ou non, ou pourra un jour être considérée comme une science. Alors, à propos de cette question des relations entre la philosophie et les sciences, je voulais vous citer, mais j'ai oublié de le faire, deux extraits assez caractéristiques d'un livre de Philippe Frank, intitulé « Le principe de causalité et ses limites ». Alors, c'est un livre qui a été traduit par les éditions Flammarion en 1937, donc qui s'appelle « Le principe de causalité et ses limites ». Philippe Frank, bon, je ne vais pas m'attarder sur son cas, c'est un des membres du Cercle de Vienne, c'est un physicien qui a occupé notamment une chaire pendant un certain temps, une chaire de physique théorique à Prague, où il a d'ailleurs succédé à Einstein. Et comme vous allez le voir, c'était un des représentants assez radicaux du positivisme logique, et ça apparaît de façon très nette au début de ce livre, où il aborde précisément cette question des relations entre la philosophie et les sciences. Alors, j'aimerais vous citer un premier extrait où il fait une remarque qui est à la fois pertinente et relativement banale, à savoir que les scientifiques, de façon générale, s'intéressent assez peu à la philosophie et ne le font guère que dans les périodes de crise. Autrement dit, ils s'intéressent normalement assez peu aux questions de signification et d'ontologie, mais ils recommencent à le faire dans les périodes de crise ou lorsqu'ils ont à défendre une théorie qui a un statut relativement incertain ou qui est dans une phase militante, comme par exemple ça a été le cas pendant un certain temps, de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique. Alors, Frank dit ceci, les progrès de la physique ne consistent pas seulement dans l'établissement de nouvelles théories, car celles-ci sont toujours liées à de nouvelles significations des symboles utilisés. Donc il faut s'attendre à ce que ce problème de la signification se pose de façon à peu près inévitable. C'est pourquoi, dit-il, le physicien lui-même éprouve le besoin de se familiariser avec l'élucidation du sens des symboles qu'il emploie. Dans son esprit, en ce sens-là, il est obligé, à un moment ou à un autre, de devenir ou de redevenir philosophe. Dans les périodes où les théories physiques demeurent relativement invariables, on traite souvent de superflu un travail de ce genre. Les livres qui traitent la théorie de la relativité commencent ordinairement par des considérations sur le temps et l'espace. De même, les ouvrages sur la mécanique quantique contiennent toujours des réflexions sur la causalité. On peut cependant être sûr que des considérations de ce genre sont appelées à disparaître tôt ou tard comme allant de soi. Dans les traités de mécanique ordinaire, on ne trouve rien, ni sur le temps, ni sur l'espace, ni sur la causalité, et c'est aussi pour la même raison. S'il y a des exceptions, elles proviennent soit de ce qu'on y veut donner une idée sommaire des théories nouvelles, donc on va faire des théories qui sont relativement nouvelles, soit, et c'est le cas le plus fréquent, de ce que, par routine, on y laisse traîner des lambeaux d'une scolastique démodée. C'est donc un véritable non-sens d'interdire aux physiciens de dire son mot en philosophie, comme s'il s'agissait là de connaissances accessibles aux seuls spécialistes. Il n'y a en réalité qu'un spécialiste à même d'élucider le sens des symboles employés en physique, c'est le physicien lui-même. Lui interdire d'écrire sur le temps, l'espace ou la causalité reviendrait à l'empêcher de préciser le sens des symboles qu'il emploie. Ce serait l'obliger à opérer sur des symboles dépourvus de sens. La seule chose juste à dire sur ce sujet, c'est que parmi les physiciens eux-mêmes, il en est que leur goût porte de préférence à découvrir de nouvelles transformations tautologiques des relations entre les symboles,
ils feront alors de la physique mathématique. D'autres préféreront s'adonner au contrôle des propositions à portée réelle et feront de la physique expérimentale. D'autres, enfin, porteront leur analyse sur les liaisons de coordination plus complexes qui unissent les relations de symbole à symbole avec les données de l'expérience. Si l'on veut désigner les études de la troisième catégorie sous le nom de philosophie, il n'y a rien à objecter à cela, à condition toutefois de ne pas perdre de vue qu'un travail de ce genre est, au même titre que les autres, une partie essentielle de l'activité scientifique prise dans son ensemble. Donc, vous le voyez, il considère qu'il est certes tout à fait normal et même indispensable que les physiciens s'occupent de philosophie, mais la philosophie telle qu'il la comprend devient de ce fait tout simplement une partie de la science. Alors, je voudrais vous citer un passage qui est encore plus caractéristique, puisque si vous considérez la question que je suis en train d'évoquer, vous vous apercevez assez rapidement qu'il y a différentes réactions possibles de la part des philosophes et d'ailleurs également des scientifiques. Il y a une conception qu'on peut appeler séparatiste qui postule qu'au fond, la philosophie et les sciences constituent des entreprises séparées, qui peuvent à la limite rester parfaitement indifférentes l'une à l'égard de l'autre. C'est une position qui est très répandue, qui est même peut-être la plus répandue chez la plupart des philosophes. Et puis il y a des positions qui sont non séparatistes et qui postulent au contraire l'existence de liens de nature plus ou moins essentiels entre la philosophie et les sciences. Alors, comme je vous l'ai dit, Wiedemann défend une position qui est typiquement non séparatiste, évidemment qui n'est pas une position qui préserve en même temps, qui défend l'idée d'une autonomie réelle des deux types d'activités intellectuelles, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire les sciences et la philosophie doivent vivre, disons, sur un mode qui pourrait être appelé celui de l'entente cordiale avec échange et coopération. Et c'est à ses yeux indispensable aussi bien pour les sciences que pour la philosophie. Et puis il y a une autre façon de s'opposer à l'idée d'une séparation plus ou moins radicale entre la philosophie et les sciences qui est illustrée de façon on ne peut plus typique par Reichenbach. Par Philippe Frank. Philippe Frank défend, il est non séparatiste parce qu'il est annexionniste, hein, ce qui est une façon tout à fait différente de considérer les relations entre la philosophie et les sciences. Il est hostile à l'idée de la séparation parce qu'il pense que tous les problèmes que se posent les philosophes, dont il revendique en quelque sorte la maîtrise, tous ces problèmes-là finiront par être posés beaucoup plus clairement et traités beaucoup plus efficacement et finalement résolus par les sciences elles-mêmes. Vous voyez par exemple ce qu'il dit, c'est page 30-31, donc la traduction française, du livre dont je suis en train de vous parler, la prétention de séparer soigneusement la science de la philosophie ne peut donc avoir qu'un résultat, celui de faire accepter aveuglément, dans les questions les plus fondamentales, les doctrines philosophiques les plus arriérées. Ça me paraît dans l'ensemble assez vrai, c'est-à-dire il fait une constatation qui est là aussi à la fois pertinente et assez banale, c'est que la volonté de continuer à maintenir une séparation stricte entre la science et la philosophie a en général pour effet de faire accepter aveuglément dans les questions, en particulier dans les questions épistémologiques, les doctrines philosophiques les plus arriérées. En effet, comme nous l'avons déjà vu, il n'y a qu'une seule espèce d'affirmation qui puisse être qualifiée de scientifique. La science n'a pas de limite et toute place qui est abandonnée par elle tombe aussitôt aux mains des puissances hostiles. L'exemple d'une position d'une espèce particulièrement radicale qui a été définie par certains, qui a été défendue par certains membres du cercle de Vienne, la science n'a pas de limite et toute place qui est abandonnée par elle tombe aussitôt aux mains des puissances hostiles. Et la séparation de la science et de la philosophie équivaut déjà à voir dans cette dernière, c'est-à-dire dans la philosophie, une seconde espèce de connaissance du monde subsistante en dehors et au-dessus de la première et possible au même titre qu'elle. Donc vous voyez, il a l'impression que si on défend cette idée d'une séparation rigoureuse entre la philosophie et les sciences, on reconnaît de facto l'existence d'un autre mode de connaissance, d'une autre façon de connaître, objectivement, que celle de la science. Une autre façon de connaître qui est représentée par la philosophie, qui est même considérée la plupart du temps comme supérieure à celle de la science. Et ça lui semble une conception tout à fait désastreuse. Et il ajoute donc que c'est une nécessité pour la science de concéder en principe la possibilité de donner une réponse scientifique à toute question ayant un sens. Donc, accorder qu'il existe un autre moyen de connaissance, ce n'est pas autre chose que de proclamer la banqueroute de la science elle-même. Au lieu de séparer la science de la philosophie, l'expression est entre guillemets,
au lieu de séparer la science de la philosophie, ce qu'il faut, c'est de conquérir à la science tout le domaine occupé jusqu'alors par la philosophie. Vous voyez que je n'exagérerai pas en qualifiant cette position de non-séparatiste parce que annexionniste. Donc c'est bien une espèce de conquête progressive de tout le territoire occupé jusqu'à présent par la philosophie, donc une conquête de ce territoire par la science, c'est bien de cela qu'il est question. Alors ça, c'était une simple parenthèse. Je reviens maintenant à la troisième question dont j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, pour l'essentiel, donc, que j'ai intitulé « Misère de l'éclectisme, est-il possible de réconcilier entre eux les systèmes philosophiques rivaux ?» Vous doutez qu'il s'agit d'une question un peu rhétorique, évidemment, la réponse prévue ayant toutes les chances d'être une réponse négative. Alors, j'avais évoqué, je viens encore de le faire, le genre d'agnosticisme, d'indifférentisme ou de scepticisme dont la science fait preuve la plupart du temps à l'égard des questions philosophiques, plus précisément des questions ontologiques, pour raisonner dans la perspective de Winman. Mais bien entendu, ce genre d'agnosticisme, d'indifférentisme ou de scepticisme qui est actuellement assez répandu et que j'ai évoqué, donc, n'était pas encore de mise à l'époque des origines, c'est-à-dire dans la période que décrit Winman dans son livre « Que sont les systèmes philosophiques ?». L'importance, à cette époque-là, donc l'importance et l'urgence des questions ontologiques étaient ressenties avec acuité. Et comme le souligne Winman, la recherche philosophique concernant la nature des objets ne s'est pas limitée aux objets mathématiques et aux objets dont il est question dans les systèmes axiomatiques en général. Elle a pris à peu près immédiatement la forme d'une interrogation tout à fait générale sur ce qui est, par opposition à ce qui simplement apparaît, et une interrogation sur la façon dont la totalité de ce qui est peut, conformément au principe de la méthode axiomatique, être reconstruit à partir d'un petit nombre d'éléments primitifs. Donc on a été conduit par un chemin tout à fait naturel à une sorte de combinaison entre les... On a essayé de combiner les avantages de la méthode axiomatique avec ceux de l'ontologie. Si on devait, par conséquent, caractériser la philosophie par la référence à une question fondamentale, ce serait, comme j'ai déjà eu l'occasion d'y insister, ce serait la question de la distinction entre la réalité et l'apparence. Et comme il y a, pour des raisons qui ne sont pas accidentelles, mais intrinsèques, plusieurs façons possibles, fondamentalement différentes et incompatibles entre elles, de tracer la ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence, cela permet de comprendre pourquoi la philosophie s'est toujours présentée jusqu'à présent sous la forme d'une pluralité irréductible de systèmes que l'histoire n'est jamais parvenue et ne parviendra probablement jamais à départager. Winman résume de la façon suivante les analogies et les différences qui existent entre la philosophie et l'axiomatique. Vous avez le texte sur l'écran. La philosophie résulte de la réorganisation des deux dimensions des signes mythiques. L'histoire mythique cède la place à la recherche de principes vrais selon les critères de la méthode axiomatique. Cela a été la première pertinence, la pertinence fondationnelle de l'axiomatique pour la philosophie. En même temps, cependant, la philosophie entend réformer et restaurer l'ontologie mythique. Donc elle revient aux questions ontologiques dont s'était occupé le mythe. Elle y revient alors que l'axiomatique peut se permettre d'ignorer largement les questions de cette sorte. Donc la philosophie entend réformer et restaurer l'ontologie mythique écartée par l'axiomatique. Une ontologie déterminée prend la place de la référence équivoque à la réalité. La deuxième connexion de l'axiomatique avec la philosophie s'effectue par l'intermédiaire de la démonstration. Mais l'exigence de consistance, qu'aucune considération matérielle ne vient entraver dans la méthode axiomatique, doit en philosophie s'accommoder avec l'ontologie. Donc il y a une exigence de consistance qui va intervenir de façon essentielle, et c'est quelque chose qui distingue fondamentalement aux yeux de Winman la philosophie, à la fois, si vous voulez, de l'univers du mythe et de la pensée du sens commun, qui ne s'embarrasse pas particulièrement par des préoccupations ayant trait à la consistance. Winman continue en disant « Entre des principes évidents, également recommandés par le sens commun, mais mutuellement inconsistants, un choix est imposé à la philosophie qui explique ses divisions. Finalement, la philosophie est comme l'axiomatique en ce que toutes les deux cherchent la vérité, mais à la différence de la vérité scientifique,
Sa considération de l'ontologie amène la philosophie à généraliser une opposition qui est seulement d'une importance locale et mineure dans la science. Donc cette opposition, c'est celle de la réalité et de l'apparence. Et le passage se conclut par l'affirmation des systèmes, ou pour la constatation, des systèmes philosophiques rivaux luttent pour des frontières reconnues, sinon fixées, entre apparence et réalité. Fin de citation. Nous avons de la sorte obtenu la réponse cherchée à la question de savoir pourquoi le pluralisme philosophique est fondamental et semble à ce point impossible à éliminer. Villemin dit, je cite, « telle qu'elle est appliquée à l'ontologie, l'axiomatique produit inévitablement le pluralisme et le désaccord. » Donc si vous essayez de combiner la méthode axiomatique, d'appliquer la méthode axiomatique au domaine de l'ontologie, vous aboutissez inévitablement au pluralisme et au désaccord. De fait, dit Villemin, la raison philosophique est née et vit dans la contestation. Donc elle est née et elle vit dans la contestation et, d'après Villemin, elle continuera jusqu'à la fin à vivre de cette façon. Remarquez que nous avons également obtenu la réponse à la question du genre de systématicité particulière qu'a revêtu à partir de ce moment-là et conservé par la suite le projet philosophique. C'est ce que Villemin explique dans le passage que vous avez sous l'écran. Je cite, « Il est nécessaire que la réalité soit analysée en un petit nombre de concepts et de principes qui seront pris comme prémices, et il est suffisant qu'à partir de ces prémices, on puisse déduire des résultats qui, quand on les compare avec la façon dont la réalité nous apparaît, ou bien ne sont pas déformés, ou bien obéissent à une règle de déformation reçue. Comme tous les systèmes axiomatiques ont en commun l'appareil déductif, qui est appelé la logique formelle, nous pouvons définir le système de signes qui est particulier à la philosophie comme une ontologie soumise à la logique. » Vous avez déjà cité cette formule qui résume assez bien la conception de Villemin. La philosophie peut être conçue comme une ontologie soumise à la logique. Cela étant, il n'est pas étonnant que les parties premières de la logique, la syllogistique et la logique propositionnelle, aient trouvé leur expression scientifique à l'intérieur des philosophies grecques. En outre, les deux dimensions qui sont attribuées à la philosophie comme combinaison présumée cohérente de signes ontologiquement interprétés, donc il n'est pas ces deux dimensions expliquent pourquoi chaque philosophie libre a la forme d'un système rationnel. Là, quelque chose qui est évidemment très important, il est essentiel à la philosophie de constituer, de se présenter sous la forme de ce que Villemin appelle une combinaison présumée cohérente des signes ontologiquement interprétés, c'est-à-dire à la différence de ce qui se passe dans les systèmes axiomatiques ordinaires, on a affaire à des signes qui sont ontologiquement interprétés, et d'autre part, il y a une exigence de cohérence qui, aux yeux de Villemin, est absolument essentielle. Et ça explique, dit-il, pourquoi chaque philosophie libre a la forme d'un système rationnel. Puisque la logique s'applique à l'ontologie, la philosophie est systématique de la même façon que les systèmes axiomatiques matériels le sont. De plus, un ensemble quelconque de prémices qui contient une ontologie continue à embrasser le tout de la réalité, donc c'est l'autre aspect de la systématicité, une prétention à l'universalité qui est constitutive du projet philosophique. Donc un ensemble quelconque de prémices qui contient une ontologie continue à embrasser le tout de la réalité, et la philosophie peut être dite systématique dans un second sens qui rappelle et métamorphose l'universalité du mythe. Donc là encore, la philosophie a repris et transformé et métamorphosé une dimension essentielle du mythe, à savoir l'universalité. Mais il y a, comme je l'ai dit, des objections possibles à l'idée du caractère nécessairement systématique de toute philosophie. Certains objecteurs sont même allés jusqu'à nier qu'une philosophie doive s'efforcer d'être consistante. Villemin ne s'attarde pas longuement, à vrai dire, sur ce type d'objection, qui lui semble difficile à prendre réellement au sérieux, dans la mesure où il repose essentiellement sur une confusion, d'après lui, sur une confusion entre la contradiction logique proprement dite et l'opposition ou le conflit factuel. Mais il y a également des objections qui peuvent être formulées contre la systématisation au deuxième sens et qui demandent à être considérées d'un peu plus près. Il y a en particulier des gens qui sont opposés en philosophie à l'idée du système sous toutes ses formes, notamment parce qu'ils pensent que le traitement systématique est par essence dogmatique et impose artificiellement à la réalité aussi bien une unité que des divisions qu'elle ne possède pas réellement. Villemin n'est pas convaincu cependant que la position, les conceptions de cette sorte soient réellement tenables. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage, « Indépendamment
de leur préférence stylistique pour les aphorismes, ils, c'est-à-dire les philosophes antisystématiques, donc les adversaires du système, ils critiquent les systèmes pour leur caractère prédéterminé de division conceptuelle et ayant le caractère de loi, qui, selon leur conception, sont inaptes à rendre compte des situations plus relâchées de la vie, mieux décrites par des concepts de ressemblance de famille ou par des jeux de langage. Ici, le philosophe qui est clairement visé, sans être nommé, est évidemment Wittgenstein. Les systèmes de concepts et de lois, disent-ils, donc ce sont toujours les adversaires du système qui parlent, les systèmes de concepts et de lois, disent-ils, sont des idéalisations que l'analyse philosophique doit rompre pour découvrir la manière dont elle distorde les données telles qu'elles se présentent dans notre expérience pré-systématique immédiate. Néanmoins, une fois que la conscience, là c'est à nouveau Villemin qui parle, une fois que la conscience phénoménologique, la vie, l'existence et les jeux de langage, donc vous voyez que sont visés cette fois implicitement, d'abord la phénoménologie, la philosophie de la vie, l'existentialisme, pour finir, la philosophie de Wittgenstein. Donc, une fois que ces choses-là, c'est-à-dire la conscience phénoménologique, la vie, l'existence et les jeux de langage sont entrés dans la philosophie comme ses vrais principes, ils s'acquittent nécessairement des devoirs systématiques ordinaires, puisqu'on doit montrer qu'ils suffisent pour produire ce qui, dans le monde, est reconnu comme la réalité authentique et pour éliminer, par l'explication, to explain away, les constructions intellectuelles qui ont été traditionnellement prises à tort pour la philosophie. Ce que Wittgenstein veut dire, c'est que si on l'adopte comme principes fondamentaux pour la construction d'une philosophie, des instances telles que la conscience phénoménologique, la vie, l'existence, les jeux de langage, il faut de toute façon que, en partant de ce genre de choses, on puisse s'acquitter du devoir essentiel pour le philosophe, c'est-à-dire de tracer une ligne de démarcation systématique, c'est-à-dire obéissant à principe, hein, une ligne de démarcation systématique entre l'apparence et la réalité. Il faut que ce genre de distinction entre l'apparence et la réalité, encore une fois, puisse être effectué autrement qu'au coup par coup, hein, c'est-à-dire en vertu d'un véritable principe ou de plusieurs principes. Par conséquent, ce que suggère Wittgenstein est au fond que toute philosophie considérée de ce point de vue est obligée d'être systématique, même lorsque elle se présente à première vue, sous une forme qui donne l'impression d'être l'antithèse même du système. Et Wittgenstein ajoute donc, à la fin de ce passage, « Les systèmes philosophiques ouverts, procédant par fragments, rudimentaires, sont encore des systèmes dans les deux sens que nous avons donnés au bout. » Donc, oui, d'une certaine façon, toutes les philosophies sont obligées d'être systématiques. L'existence d'une pluralité apparemment irréductible de réponses aux questions philosophiques, qui peut être et souvent comprise comme équivalent à une absence pure et simple de réponse, n'est pas toujours perçue, il faut le remarquer, comme constituant justement un problème et une objection décisive qui peut être formulée contre la philosophie elle-même. Elle ne l'est pas, par exemple, par les philosophes qui ont tendance à concevoir le travail de la philosophie plus ou moins sur le modèle de la création artistique, ou qui pensent que la tâche de la philosophie consiste à créer des concepts et non à démontrer ou à établir par une méthode quelconque la vérité de certaines propositions qualifiées de philosophiques. Le pluralisme pourrait être un problème s'il s'agissait pour l'essentiel en philosophie de décrire ou d'expliquer quelque chose, mais il ne l'est pas s'il s'agit avant tout d'inventer ou de créer. En revanche, la question ne peut pas manquer de se poser pour tous ceux qui demandent à la philosophie d'essayer de s'inspirer du modèle de la science, et qui rêvent de la voir ressembler enfin à une science authentique, ce qui impliquerait de toute évidence qu'elle devienne enfin capable de décider au moins certaines des questions qu'elle pose. Et c'est un problème qui, du point de vue historique, a été posé de façon récurrente par des philosophes qui, à chaque fois, pensaient avoir trouvé enfin le moyen de faire sortir leur discipline d'une situation qu'ils considéraient comme problématique, et même, pour tout dire, inacceptable et désastreuse. Kant, par exemple, dans la préface à la première édition de la Critique de la raison pure, observe que l'indifférence qui se manifeste chez ses contemporains, et en particulier chez les scientifiques, à l'égard de la philosophie, je cite, « n'est évidemment pas l'effet de la légèreté,
mais celui du jugement mûr d'un siècle qui ne veut pas se laisser bercer plus longtemps par une apparence de savoir. Fin de citation. Donc les gens sont devenus sceptiques ou indifférents à l'égard de la philosophie parce que, pour dire les choses en termes vulgaires, ils en ont assez de se faire mener plus ou moins en bateau. Et Kant, bien sûr, est convaincu pour sa part d'avoir réussi en choisissant de la soumettre d'abord au tribunal de la critique, il est convaincu d'avoir réussi à transformer la philosophie en une forme de savoir dont la respectabilité n'a plus rien à envier à celle des sciences. L'existence d'une pluralité de systèmes qui se contredisent entre eux amène inévitablement à se poser la question de savoir si la notion de vérité, en tout cas la notion usuelle de vérité, est réellement applicable au cas de la philosophie ou s'il ne vaudrait pas mieux, tout compte fait, renoncer purement et simplement à l'utiliser à propos de la philosophie. C'est évidemment un point crucial dont nous aurons l'occasion de reparler en examinant les réponses, souvent peu claires et généralement peu satisfaisantes, qui ont été données à cette interrogation. Wiedemann explique dans « What are philosophical systems ?» que vous avez donc le... C'est le passage dans lequel Wiedemann explique, enfin résume sa position concernant la question que je viens d'évoquer. Donc, quand la notion de vérité peut-elle ou non être appliquée à la philosophie ? Et il répond finalement non. Finalement, quand, dans le dernier chapitre, j'en arrive à la question de la vérité philosophique, je fais faux bond à mes compagnons philosophes et leur laisse le soin d'aller plus loin que je ne le fais. Donc, de toute façon, il ne se prononce pas complètement sur la question, mais il donne tout de même une certaine idée de la réponse qui a sa préférence. Alors que, qu'ils, c'est-à-dire les compagnons philosophes, qu'ils argumentent en faveur d'un schéma unique de vérité philosophique, je me contente de dire ce que sont toutes ces possibilités de vérité. Donc, il considère que son travail, en tout cas en tant qu'historien de la philosophie, est de mettre en évidence différentes possibilités de vérité qui correspondent à différentes options philosophiques possibles sans se sentir obligé de se prononcer entre ces différentes options. Et un peu plus loin, il dit ceci, « Pour ce qui est de la vérité philosophique, il est clair que si ma prudence est justifiée, la pluralité des philosophies rend le concept de vérité philosophique inadéquat et inapproprié, tout au moins si le mot vérité est utilisé dans son sens ordinaire. » S'il ne l'est pas dans son sens ordinaire, évidemment, il faut indiquer avec précision dans quel sens on peut espérer réussir à l'appliquer à la philosophie. Je n'ai cependant, ajoute Wiedemann, pas réglé cette question fondamentale, je ne l'ai même pas explicitement soulevée. En fin de compte, je n'ai rien d'autre à offrir à mon lecteur qu'une prudence pleine de risques et de points d'interrogation supplémentaires. Fin de citation. Je vais laisser de côté pour le moment cette question effectivement fondamentale. Je me contenterai de remarquer que, quoi que l'on ait pu dire et répéter sur ce point, même si on était d'accord pour admettre qu'il n'existe aucun exemple de proposition philosophique qui mérite indiscutablement d'être considérée comme vraie, il n'en résulterait pas encore que nous n'avons pas d'idée réelle de ce en quoi pourrait consister pour une proposition philosophique le fait d'être vraie, autrement dit, de ce que peut être la vérité philosophique si elle existe. On peut, me semble-t-il, appliquer à ce cas particulier, c'est-à-dire celui de l'application ou la non-application de la notion de vérité à la philosophie, on peut appliquer à ce cas particulier exactement le même genre de raisonnement que Bertrand Russell a utilisé dans sa critique de la conception de la vérité défendue par William James. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. Les catégories du sens commun, comme il le montre, alors il, c'est William James, hein, les catégories du sens commun, comme il le montre et comme chacun peut en convenir, récapitule les découvertes de nos lointains ancêtres. Mais ces découvertes ne peuvent être considérées comme définitives, car la science, et plus encore la philosophie, considère que les notions du sens commun sont inadéquates à bien des égards. James soutient que le sens commun, la science et la philosophie sont tous insuffisamment vrais sous quelque rapport. Et cela aussi, nous pouvons l'admettre. Mais, toujours selon lui, donc ça c'est une citation de William James, il est évident que le conflit de ces systèmes, si radicalement différents, nous oblige à reconsidérer l'idée même de la vérité, car pour l'heure, nous n'avons aucune notion précise de ce que ce mot peut bien signifier. Donc là, vous avez une façon typique d'argumenter qui consiste à conclure de la pluralité à l'impossibilité de continuer à appliquer la notion de vérité à la situation considérée. Et Russell proteste en disant ceci. « Ici, je pense que nous avons affaire à un simple non-séquitur.
Une tarte aux prunes, une tarte aux pommes et une tarte aux groseilles peuvent avoir en commun de ne pas être assez sucrées. Mais cela nous oblige-t-il à mettre en cause l'idée même de douceur ou à montrer que nous n'avons aucune notion précise de ce que le mot sucré peut signifier? Il me semble au contraire que si nous nous apercevons qu'elles ne sont pas suffisamment sucrées, c'est que nous savons ce qu'est la douceur. Enfin, ce qui est traduit par douceur, ça doit être, je pense, sweetness, si c'est de façon plus précise le caractère sucré. Et la même chose, ajoute Russell, vaut certainement pour la vérité, mais je ne formule cette remarque qu'en passant. Fin de citation. Comme je l'ai dit, on peut penser aussi que le fait que l'on hésite fortement à qualifier de vrai les systèmes philosophiques, ou à qualifier de vrai des propositions philosophiques, quelles qu'elles soient, ou qu'on les considère, qu'on considère dans le meilleur des cas ce genre de choses comme insuffisamment vraies, cela n'implique pas forcément que l'on ne sache pas ce que l'on veut dire au juste quand on parle de vérité et de fausseté à leur sujet. Donc, ce n'est pas parce que on est à peu près dans l'incapacité de citer un seul exemple de proposition philosophique qu'on serait d'accord pour considérer comme vrai, ça ne me semble pas constituer une raison tout à fait suffisante pour décréter qu'il est impossible d'appliquer ou qu'il vaudrait mieux s'abstenir d'appliquer la notion de vérité à la philosophie. Je vais, comme je vous l'ai dit, laisser pour le moment de côté cette question. Pour sortir du domaine des références imposées et des écrits canoniques sur la question qui nous intéresse, je vais me permettre de vous parler un peu d'un auteur, aujourd'hui à peu près oublié, qui a été considéré en son temps comme un des esprits les plus brillants de sa génération, et notamment un des plus illustres représentants de l'école éclectique en philosophie. Il s'agit d'un philosophe qui s'appelle Théodore Jouffroy, qui est né en 1796, au hameau des Pontets, près de Bout, dans les environs de Pontarlier, et mort à Paris en 1842. Et il a occupé, entre autres positions, celle de professeur au Collège de France de 1832 à 1837. Donc, il s'agit donc d'un philosophe qui est comme Jules Villemin, un philosophe, et moi d'ailleurs, un philosophe franc-comtois. Jules Villemin étant né à Pierrefontaine-lès-Varans, dans le Doubs. Mais ce n'est pas parce que Théodore Jouffroy est franc-comtois, ce n'est pas la raison essentielle pour laquelle je vous en parle. Vous allez voir, il y a des raisons un peu plus sérieuses de le faire. C'est-à-dire, en dépit du fait que, malgré tout, c'est un philosophe qui, de son vivant, a joui d'un prestige considérable. Alors, notez encore que, à ce propos, que Jouffroy a siégé à la Chambre des députés à partir de 1831. Mais sa carrière politique a été au total plutôt discrète. Il s'est illustré notamment par les publications en 1823 d'un article intitulé « Comment les dogmes finissent ?», qui est un article qui a eu un retentissement considérable et qui présente encore aujourd'hui un intérêt incontestable. Par les dogmes en question, en train de finir, il fallait entendre essentiellement les dogmes religieux et secondairement certains dogmes politiques. Sainte-Beuve a consacré en 1833 un article qui est paru dans la revue des Deux Mondes, en grande partie à Jouffroy. Il semble d'ailleurs considérer que l'air vivifiant des montagnes du Jura a pu contribuer à conférer un style particulier, un style philosophique particulier, dans le cas de, à l'entreprise de Jouffroy. Bon, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, à propos de l'article auquel je viens de faire allusion, c'est-à-dire « Comment les dogmes finissent », Sainte-Beuve parle de ce qu'il appelle, je cite, « ce manifeste le plus explicite et le plus général assurément qui ait formulé les espérances de la jeune élite persécutée ». Il faut dire que Jouffroy appartient à une génération qui est née pendant ou immédiatement après la Révolution et qui a expérimenté successivement dans sa jeunesse la répression exercée contre les idées libérales et dans son âge mûr, les satisfactions mêlées de déceptions que procure l'accès aux honneurs et l'exercice du pouvoir. Il sera peut-être utile de citer sur ce point le début de l'article de Sainte-Beuve qui dit ceci « Il y a une génération qui naît tout à la fin du dernier siècle, encore enfant ou trop jeune sous l'Empire, s'est émancipée et a pris la robe virile au milieu des orages de 1814-1815. Cette génération, dont l'âge actuel est environ 40 ans, et dont la presque totalité lutta sous la Restauration contre l'ancien régime politique et religieux, occupe aujourd'hui les affaires, les chambres, les académies, les sommités du pouvoir ou de la science. La Révolution de 1830, à laquelle cette génération avait tant poussé par sa lutte des 15 années, s'est faite en grande partie pour elle et a été le signal de son avènement. » Fin de citation. Jouffroy a été
un élève et un contemporain de Victor Cousin. Victor Cousin est né lui-même en 1792 et mort en 1867. Jouffroy m'intéresse ici parce qu'il appartient à une génération de philosophes qui ressentent avec une acuité particulière le problème posé par l'existence d'une pluralité apparemment irréductible de systèmes philosophiques inconciliables. Et de philosophes qui, ne croyant pas à la possibilité que la supériorité de l'un d'entre eux sur tous les autres finisse par être établie un jour de façon indiscutable, de philosophes qui ont tendance à chercher la solution dans une démarche philosophique qui consiste à essayer de ne retenir dans chaque système que la part de vérité qu'il comporte, en oubliant le reste. Donc l'éclectisme, c'est une tentative de... un essai qui a été fait de façon systématique à cette époque-là pour essayer précisément de résoudre ce problème du pluralisme, de la pluralité apparemment irréductible des systèmes philosophiques considérés comme constituant réellement un problème. Encore une fois, c'est loin d'être toujours le cas. Il y a des périodes entières pendant lesquelles les philosophes ne se soucient en aucune façon de ce genre de problème. Mais à l'époque dont je suis en train de vous parler, donc ça a été considéré comme un problème majeur. Et c'est à ce problème qu'était censé répondre la solution, ou peut-être plus exactement la pseudo-solution que constituait l'éclectisme. Alors, le principe donc de l'éclectisme est qu'aucun système philosophique n'est complètement vrai, mais aucun, heureusement, n'est non plus complètement faux. Autrement dit, la vérité, s'il y en a une, ne peut résider que dans le tout. C'est une position dont je vous ai déjà indiqué qu'elle était récusée dans son principe par Villemin, pour qui il vaut mieux à tout prendre admettre qu'il n'y a pas de vérité en philosophie que d'essayer de se convaincre qu'il est possible de trouver la vérité dans une sorte de synthèse réalisée entre des options inconciliables. Vous voyez par exemple ce passage de Villemin qui dit ceci: le chroniqueur que passionnent les rencontres singulières entre idées, les péripéties, les filiations inattendues ou ordinaires rencontrera immanquablement ces formations. Alors, il s'agit des formations, si vous voulez, hybrides ou composites, les formations obtenues par en essayant de synthétiser, de réaliser une synthèse entre des systèmes philosophiques antithétiques. Donc ça, c'est le genre de choses qui, pour Villemin, est susceptible d'intéresser particulièrement le chroniqueur philosophique. Il aura tendance à s'y intéresser de préférence au système philosophique exclusif et pur. Villemin veut dire que l'historien de la philosophie proprement dit, au contraire, aura tendance, lui, à dédaigner plus ou moins ce genre de formation composite, et il choisira de s'intéresser plutôt au système philosophique exclusif et pur. Mais l'historien, dit-il, c'est d'instinct que l'ennemi de la philosophie, ce n'est pas tant la sophistique qui défie la raison que l'éclectisme qui l'endort. Et en effet, tout en mimant le langage de la philosophie, l'éclectisme contredit à ces trois caractères essentiels. Il s'oppose à l'épanouissement de l'esprit systématique en multipliant les êtres et en brisant l'unité de style. Il s'oppose à la clarté de l'articulation logique en superposant des principes incommensurables, et le gain de richesse est apparent puisque les marques qui feraient présumer la cohérence font défaut. Il s'oppose enfin à la discipline à laquelle le philosophe se soumet quand il veut mesurer comment et jusqu'où son système lui permet de reconstruire et de simuler les phénomènes. Car comment saurait-on délimiter ce qu'on peut sauver quand les moyens analytiques pour ce faire n'ont pas été exactement définis ? Kant, dont la morale récuse l'hédonisme, est donc fondé à louer Épicure. Ce dernier considérait le plaisir qui accompagne la vertu comme identique avec les plaisirs les plus grossiers des sens et pouvait ainsi apprécier ce que peut et ce que ne peut pas un homme qui s'est donné la recherche du plaisir pour maxime de sa volonté. À l'opposé, les principes contradictoires qui forment les systèmes composites où l'on ajoute au plaisir des sens les raffinements d'une prétendue faculté supérieure de désirer, n'expriment que la mauvaise foi et la frivolité de ceux qui cherchent le salut dans l'ignorance. Donc, vous voyez la position en ce qui concerne les systèmes qui ne choisissent pas vraiment, qui essaient de composer entre eux, la position de Villemin est tout à fait claire et même particulièrement radicale. Mais ce n'est pas vraiment à cet aspect du problème, je veux dire, est-ce que les penseurs comme Jouffroy proposent de faire pour surmonter le pluralisme et la division, mais plutôt à la description qu'ils donnent de la situation préoccupante qui semble en résulter pour la philosophie que je veux m'intéresser pour le moment. Dans un texte posthume qui s'intitule « De l'organisation des sciences philosophiques »,
qui a été publié en 1842, Jouffroy parle de la philosophie comme de, je vous ai reproduit le texte, donc ce qu'il appelle cette science si illustre dans l'histoire de l'humanité et dont la destinée semble avoir été depuis 2000 ans d'attirer et de fatiguer par un charme et une difficulté également invincibles les plus grands esprits qui aient honoré, qui honorent l'espèce humaine. Fin de citation. C'est une façon de constater que la philosophie jouit d'une considération particulière qui ne semble cependant pas être justifiée ni même simplement avoir besoin d'être justifiée par des résultats précis. Il y a en effet, explique Jouffroy, je vous ai mis aussi le texte, deux faits qui frappent tous les esprits dans le spectacle de la philosophie et qui dominent toute son histoire. D'une part, à toutes ces grandes époques, à toutes les époques lucides des annales de l'humanité, le privilège étonnant qu'elle a d'occuper et d'absorber les plus hautes et les plus fermes intelligences. De l'autre, malgré les travaux et les efforts de ces hautes intelligences, le malheur non moins extraordinaire qui consiste dans le fait qu'elle n'est jamais parvenue à résoudre aucune des questions qu'elle se pose. Fin de citation. Donc, nous avons la situation que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire une discipline qui continue à jouir d'un prestige considérable, qui ne se dément jamais vraiment, qui n'a jamais été véritablement contestée, ne semble toujours pas sur le point de l'être, et pourtant, donc, ce prestige considérable dont elle jouit ne semble pas justifié par l'obtention de résultats concrets. Assurément, remarque l'auteur, c'est-à-dire Jouffroy, de nouvelles questions ont été ajoutées à celles que la philosophie agitait à son berceau, et le nombre des questions philosophiques a varié selon les époques. Mais il fait la constatation suivante, les nouvelles venues, donc les nouvelles questions, n'ont pas eu une meilleure fortune que les anciennes. En entrant dans le domaine de la philosophie, elles ont semblé revêtir la propriété commune de tous les problèmes qui l'embrassent, celle de devenir invulnérable aux efforts de l'intelligence et à jamais insoluble pour elle. Donc il y a de nouvelles questions qui sont apparues, mais elles ont semblé être condamnées à partager le sort des anciennes, c'est-à-dire à devenir à jamais insolubles. Alors Jouffroy, en fait, ne dit pas qu'elles ont revêtu effectivement la propriété de devenir définitivement insolubles, il dit seulement que c'est ce qu'elles ont semblé faire. En 1824, dans un article intitulé « De la philosophie et du sens commun », je vous parlerai un peu plus longuement du genre de conception qu'il défend à propos des relations de la philosophie et du sens commun, dans cet article de 1824, il avait décrit de la façon suivante le retour incessant des mêmes problèmes et des mêmes solutions à quoi semble se résumer l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie présente un singulier spectacle. Un certain nombre de problèmes se reproduisent à toutes les époques. Chacun de ces problèmes inspire un certain nombre de solutions, toujours les mêmes. Les philosophes se les partagent, la discussion s'établit, toutes les opinions sont attaquées et défendues avec la même apparence de vérité. L'humanité écoute, n'adopte l'avis de personne, mais garde le sien, qui est ce qu'on appelle le sens commun. Ainsi, pour citer des exemples, toutes les époques philosophiques ont ramené sur la scène l'opposition du matérialisme et du spiritualisme, celle du stoïcisme et de l'épicuréisme en morale. Aucune de ces doctrines n'a prévalu de manière durable, aucune n'a péri. Toutes ont trouvé des partisans illustres et de bonne foi. Toutes ont exercé à peu près la même influence. Mais en définitive, le genre humain, témoin de leurs débats, n'est devenu ni matérialiste, ni spiritualiste, ni stoïcien, ni épicurien. Il est demeuré ce qu'il était avant la philosophie, croyant tout à la fois à la matière et à l'esprit, respectant le devoir et poursuivant le bonheur tout ensemble. Fin de citation. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1885, Renouvier, dans son esquisse d'une classification systématique des doctrines philosophiques, à laquelle j'avais déjà fait allusion, Renouvier commence par remarquer que rien n'a changé sur ce point, et que les positions philosophiques les plus antithétiques continuent à s'affronter avec la même violence sur toutes les questions importantes. Et il en profite pour formuler une critique particulièrement sévère, et même assez féroce, non seulement de l'éclectisme, mais également du hegelianisme, qu'il considère d'ailleurs comme une version simplement plus théorique et plus savante de l'éclectisme. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. De façon générale, je voulais le hegelianisme, tel qu'il est reçu à l'époque en France, est perçu comme une forme un peu plus théorique et un peu plus élaborée de l'éclectisme.
S'il y a un philosophe que Villemin n'aurait pas pu accuser de ne pas prendre suffisamment au sérieux la réalité du pluralisme, j'ai insisté sur le degré auquel il considère cette question comme cet aspect du problème comme crucial. Il considère que dans la philosophie contemporaine, on n'a pas pris suffisamment au sérieux cette caractéristique, c'est-à-dire le caractère, la pluralité intrinsèque qui caractérise l'entreprise philosophique. Or, de ce point de vue-là, il n'aurait eu aucun reproche à adresser à Renouvier, parce que Renouvier lui-même prend justement particulièrement au sérieux cet aspect du problème, et c'est ce qui l'amène à formuler une critique virulente contre les défenseurs de l'école éclectique, qui sont des gens qui, à l'époque considérée, continuent à occuper largement le pouvoir, évidemment. Inutile de dire, je n'ai pas besoin d'insister sur la façon dont Renouvier, du coup, a été traité par eux. Mais, en tout cas, sur ce point, au moins, Renouvier défend une position qui est très semblable à celle de Villemin, mais à ma connaissance, Villemin ne mentionne pas Renouvier. Il n'a pas mentionné dans ses travaux sur la classification des systèmes philosophiques, et il ne semble pas avoir fait partie des auteurs auxquels il s'intéressait. Vous remarquerez que Renouvier utilise en fait à peu près les mêmes termes que Villemin pour juger l'illusion philosophique par excellence que constitue à ses yeux l'éclectisme. C'est à ses yeux une illusion fondamentale. Il estime que les tentatives de conciliation universelle portent atteinte à la fois à la logique, en l'occurrence au principe de contradiction, et à une exigence qui est de nature morale. Donc l'éclectisme est doublement fautif. Il est fautif sur le plan logique, puisqu'il remet en question ou ignore ouvertement le principe logique le plus fondamental, c'est-à-dire le principe de contradiction. Et puis, il est fautif également du point de vue moral. Comme il est en général défendu par des gens qui, en plus du reste, ont tendance à se comporter comme des moralistes, c'est évidemment un peu inquiétant. Alors, de quelle façon argumente Renouvier. L'opposition, dit-il, est morale parce que l'éclectisme dogmatique est transcendant de Hegel, et l'éclectisme incertain et terre à terre de Victor Cousin, donc comme je vous ai dit, Renouvier, il n'est pas le seul, hein, loin de là, considère qu'au fond, Hegel a fourni simplement une version un peu plus savante de l'éclectisme, qu'il appelle l'éclectisme dogmatique et transcendant, tandis que l'éclectisme de Victor Cousin est qualifié d'éclectisme incertain et terre à terre, d'éclectisme incertain et terre à terre. Alors ces deux versions de l'éclectisme exemptent, dit-il, le penseur de la tâche et de l'effort des affirmations robustes et des franches négations correspondantes qui procèdent toujours d'un principe moral bien ou mal dirigé. La pensée des endormeurs philosophiques, donc oui, c'est la même terminologie que Villemin, l'éclectisme endort la philosophie. Donc la pensée des endormeurs philosophiques est que la dispute n'a pas une raison d'être et de durée profonde dans la nature du problème posé à l'homme et des ressources qu'il trouve pour en essayer en son esprit les solutions, qu'elle doit naturellement s'épuiser, qu'à force de s'expliquer, on finira par tomber d'accord, et même qu'au fond, sans le savoir, on a toujours été unis en une certaine synthèse d'idées qu'il ne s'agirait que de construire. Je soutiens au contraire la thèse logique et le fait historique de l'existence des contradictions irréductibles entre des affirmations absolues et qui se maintiennent sans défaillance sur les points principaux et caractéristiques des doctrines rivales de tous les temps. Donc vous voyez que Renouvier défend la position selon laquelle il n'y a pas de conciliation possible entre des options philosophiques contradictoires. Il s'agit de ce qu'il appelle des contradictions irréductibles entre des affirmations absolues. Donc toutes les tentatives de conciliation sont en réalité d'abord condamnées à l'échec et ensuite malhonnêtes, fondamentalement malhonnêtes. Et là, il y a, si vous voulez, une protestation qui, encore une fois, est de nature à la fois logique et morale. Alors en ce qui concerne Victor Cousin, Renouvier ne fait preuve, comme je vous l'ai dit, d'aucun ménagement. Un des reproches majeurs qu'il adresse à sa version de l'éclectisme est de remplacer finalement en philosophie les critères d'appréciation logique par des critères essentiellement esthétiques. Ce qui compte, en fin de compte, n'est pas de savoir si ce qui est dit est vrai, mais seulement si c'est suffisamment beau. Alors vous voyez ce passage très typique de Renouvier dans le cours de sa polémique contre l'éclectisme. Comme il était admis que nul système ne devait prétendre posséder l'entière vérité, c'est la thèse fondamentale des éclectiques, et qu'ils devaient tous, ces systèmes, être tenus en échec les uns par les autres, et déboutés du droit de faire passer aucune des propositions qui sont leur raison de se produire, on se trouvait
dans l'impuissance de prendre réellement parti sur les fondamentales thèses contradictoires, où le faux ne peut se trouver d'un côté que le vrai ne se trouve de l'autre. Le sentiment du beau arrivait ainsi à prendre la place des inaltérables jugements logiques dans l'attitude à prendre vis-à-vis des doctrines imposantes auxquelles on accordait toujours une part de vérité, entre guillemets, avec une part d'erreur, également, entre guillemets, dont on avait à la dégager au moyen d'on ne sait quel procédé. C'est ainsi, par exemple, qu'on témoignait une vive admiration pour l'éthique de Spinoza, sans le moins du monde répudier les principes d'autres philosophies qui avaient traité cet ouvrage d'absurde autant qu'abominable. On ne craignait pas de dire, étrange formule, qu'il fallait, entre guillemets, se défier de la logique, et on ne s'apercevait pas que, logiquement, souligné, cela signifiait ou que tous les principes doivent passer pour suspects, ou que, de principes vrais, il peut arriver qu'on tire des conséquences fausses. Victor Cousin avait dit une fois, parlant du système de Schelling, « ce système est le vrai ». Puis il se défendait de panthéisme, en prétendant qu'il fallait distinguer Dieu et le monde en les unissant, et non pas les confondre, comme le faisaient, suivant lui, les panthéistes. C'était ne rien définir et ne point répondre aux vraies questions, dont la décision seule, par oui ou par non, permet de juger ce qu'on entend par l'union de Dieu et du monde. Plus tard, ce philosophe trouva bon de professer nettement le théisme et prit pour les représentants principaux de cette doctrine Descartes et Leibniz, mais il laissa de côté tout ce qui fait la force et l'originalité des conceptions de ses maîtres. L'éclectisme avait cette habitude, partout où il s'appliquait, de couper les nerfs des systèmes et de les concilier en en extrayant des propositions banales. Vous voyez que j'aurais dû dire, l'éclectisme avait tendance donc à couper, d'après Renouvi, à couper les nerfs des systèmes et à les concilier en en extrayant des propositions banales. J'ai reproduit encore un autre passage qui va dans le même sens, et c'est un point qui est assez important, vous voyez, parce qu'il peut y avoir, à toutes les époques, et c'est une tendance qui existe également de façon assez typique à notre époque, une certaine tendance à considérer qu'au fond, la question cruciale quand on entreprend de juger un système philosophique, ce n'est pas celle du vrai, mais plutôt celle du beau. Si c'est bien écrit, c'est déjà presque comme si c'était vrai, par exemple. Alors, Renouvier, évidemment, condamne catégoriquement ce genre d'attitude, et il n'a aucune espèce de sympathie pour ce qu'il appelle le philosophe artiste. Et il dit ceci: « Après les critiques de détail que nous avons adressées à cette remarquable apologie des variations de la philosophie », là, le philosophe qui est visé, c'est toujours Victor Cousin. Victor Cousin qui a tendance, au fond, à soutenir que plus la philosophie est diverse, plus elle est une, si vous voulez, grosso modo, puisque les éclectiques défendent la thèse de l'unité des contraires et même des contradictoires. Donc plus la philosophie est diverse, plus elle est une. Après, les critiques de détail que nous avons adressées à cette remarquable apologie des variations de la philosophie, dit Renouvier, nous n'avons plus qu'un regret à exprimer, c'est que l'auteur qui a été si justement frappé de ces variations paraissent l'avoir été si peu des contradictions qui en sont la forme ordinaire et sur lesquelles tout penseur a un parti à prendre. Il y a quelque chose de vague et de trop peu rationnel et aussi de peu satisfaisant pour la morale dans cette manière de considérer le philosophe comme auteur d'une œuvre d'art qui lui serait ou qu'il se rendrait propre et qui aurait bien son côté scientifique, donc cette œuvre d'art aurait son côté scientifique, mais mal défini, une œuvre d'art qui, d'un autre côté, se formulerait sans une suffisante préoccupation des conditions de la certitude, des principes directeurs de la croyance, de la nécessité d'opter entre des affirmations contradictoires touchant la nature et l'ordre du monde, et enfin du caractère moral de la décision prise par chacun dans la doctrine qu'il embrasse et dans les jugements qu'il entend porter sur les convictions d'autrui, sur le conflit des idées et des méthodes dans tout le cours de l'histoire. N'est-il pas à craindre que l'artiste en philosophie, le poète en spéculation transcendante, ne se complaise en un certain dilettantisme, ou du moins n'y encourage ses disciples, et ne se fasse point une idée assez sévère de sa responsabilité devant la vérité. Donc là, vous avez un exemple tout à fait typique d'un philosophe qui reste absolument fidèle à l'idée que la question cruciale, déterminante, c'est la question de savoir si ce qu'écrivent les philosophes est ou non vrai. Renouvier cite, dans le contexte de cette discussion, cite à un moment donné un extrait des dernières paroles que Victor Cousin a prononcées à la Sorbonne, que je ne résiste pas au plaisir, même s'il est un peu malveillant, de vous citer, parce que c'est un véritable morceau d'anthologie. Vous l'avez ici, donc, « La philosophie, dit Victor Cousin, donc c'est lui qui parle, la philosophie n'est pas telle et telle école, mais le fond commun est, pour ainsi dire, l'âme de toutes les écoles. Elle est distincte de tous les systèmes, mais elle est mêlée à chacun d'entre eux, car elle ne se manifeste, elle ne se développe, elle n'avance que par eux, son unité et leur variété même, si discordante en apparence, en réalité, si profondément harmonique. » Donc, plus c'est divers, plus c'est un.
sur son progrès et sa gloire à la philosophie. Donc c'est leur perfectionnement réciproque par leur lutte pacifique. Ce que je professe avant tout, ce n'est pas telle ou telle philosophie, mais la philosophie elle-même. Ça, c'est admirable, c'est exactement le genre de discours que vous pourriez entendre de la part de l'inspection générale de philosophie actuellement. Ce que je professe avant tout, ce n'est pas telle ou telle philosophie, mais la philosophie elle-même, souligné. Ce n'est pas l'attachement à tel système, mais l'esprit philosophique supérieur à tous les systèmes, idem. Bon, c'est exactement le genre de discours rituel qu'on entend encore aujourd'hui régulièrement. Remarquez, ce n'est pas du tout un hasard. La raison de ça, c'est que la philosophie en France doit en grande partie la position privilégiée qu'elle occupe précisément à des gens comme Victor Cousin, initialement. Donc la vraie science de l'histoire de la philosophie, c'est toujours Victor Cousin qui parle, n'est pas la haine, mais l'amour. Et la mission de la critique n'est pas seulement de signaler les extravagances de la raison humaine, mais de démêler et de dégager du milieu de ces erreurs les vérités qui peuvent et doivent y être mêlées, et par là de relever la raison humaine à ses propres yeux, d'absoudre la philosophie dans le passé, de l'enhardir et de l'éclairer dans l'avenir. Donc, c'est Victor Cousin cité par Renouvier dans l'essai sur l'essai de classification systématique des doctrines philosophiques. Il est, comme vous le savez, de bon ton dans le milieu philosophique de ne parler jamais de Victor Cousin que de façon ironique et avec un certain mépris. Mais je dois vous avouer que ce qu'il dit dans le passage que je viens de citer ne me semble à tout prendre pas tellement plus ridicule que le genre de discours apologétique plus ou moins rituel qu'on peut être sûr de réentendre à peu près à chaque fois que la position de la philosophie dans la société ou sa place dans l'enseignement semble à tort ou à raison menacée. On y explique généralement, entre autres choses, que la philosophie est cette réalité à peu près indéfinissable qui se manifeste dans des expressions historiques qui sont toutes également admirables, mais se situe en même temps au-delà de chacune d'entre elles. Et on essaie de présenter comme une caractéristique éminemment positive et comme étant justement ce qu'il y a de plus philosophique et de plus précieux en elle, le fait qu'elle pose des questions cruciales, mais ne parvient jamais, pour aucune d'entre elles, à imposer une réponse déterminée. Ce qui choque Renouvier est le fait que l'on puisse vouer une admiration égale à des constructions intellectuelles qui sont, les unes par rapport aux autres, dans une relation logique telle que l'une ne peut être vraie que si les autres sont fausses. Et il ne croit pas, même si c'est ce que font la plupart du temps les philosophes, que l'on puisse faire comme si le fait que les philosophies prétendent non seulement à la vérité, mais encore à la vérité absolue, et en même temps se contredisent les unes les autres, ils ne croient pas que l'on puisse faire comme si ce fait ne constituait pas un problème réel. Si on continue à croire que le qualificatif « vrai » au sens usuel du terme, ou dans un sens suffisamment proche de lui, doit pouvoir s'appliquer aux assertions et aux théories philosophiques elles-mêmes, ce que, comme on l'a vu, Villemin renonce pour sa part à affirmer, la différence avec Victor Cousin n'est probablement pas que l'on dispose aujourd'hui de réponses tellement meilleures que la sienne à cette difficulté. C'est plutôt qu'on préfère généralement l'ignorer prudemment. Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, il s'agit d'un problème qui peut être considéré justement comme typiquement philosophique au sens de Villemin. Je veux dire que cette question, peut-on ou non prétendre appliquer le concept de vérité à la philosophie, est une question typiquement philosophique, ce qui signifie que là aussi il y a probablement une pluralité irréductible de réponses possibles. Renoncer à considérer les propositions philosophiques comme susceptibles d'être vraies ou fausses oblige, semble-t-il, à sacrifier une certaine évidence, puisqu'on a quand même une propension à peu près irrésistible à considérer que des propositions qui sont de forme assez rhétorique doivent pouvoir être considérées comme vraies ou fausses. Il semble qu'elles affirment quelque chose qui doit être ou ne pas être le cas, et que ce soit vrai même des propositions philosophiques. Donc, si on renonce à considérer les propositions philosophiques comme susceptibles d'être vraies ou fausses, on est obligé, semble-t-il, de sacrifier une certaine évidence. Mais continuer à utiliser à leur sujet des notions comme celles de vérité et de fausseté pourrait impliquer également des sacrifices importants, y compris, à la limite, celui du principe de contradiction lui-même. Donc là aussi, probablement, il faut choisir, on est donc dans une situation qui est tout à fait typique de la philosophie telle que cela représente Villemin. Alors en ce qui concerne la façon dont Victor Cousin s'exprime dans la profession de foi que j'ai citée, Renouvier constate qu'elle combine deux formes, qu'elle juxtapose sans les articuler, deux formes de l'éclectisme, qu'il appelle la forme d'esprit hegelien et la forme empirique,
à la portée des plus vulgaires auditeurs. Donc il y a une forme, comme j'ai dit, savante, qui est la forme hegelienne, puis une forme vulgaire. Alors voici ce que le commentaire de Renouvier sur le passage de Victor Cousin qu'il a cité. Dans les dernières phrases de ce petit morceau, il n'est évidemment question pour le philosophe que de procéder à un triage. Mais dans le solennel verbiage des premières phrases, si l'on peut démêler et extraire quelques idées précises, c'est celle-ci. Que les contradictions des philosophes ne signifient rien par elles-mêmes, ne se rapportent pas à des propositions dont les unes sont nécessairement fausses si les autres sont vraies et réciproquement, en sorte que le philosophe est mis en demeure d'opter entre elles, mais que ces propositions contradictoires elles-mêmes doivent être considérées comme les éléments de la philosophie dont leur variété est l'unité. En ce cas, il s'agit de construire la vaste synthèse des discordances qui forment le tout, si profondément harmonique, et la sophistique dogmatique de Hegel se présente avec cette œuvre accomplie. Ou, si l'on n'a pas tout le courage qu'il faut pour embrasser cette dernière, c'est-à-dire la philosophie hegelienne, on peut encore parler, comme Victor Cousin, d'un, citation, « esprit philosophique supérieur à tous les systèmes », se désintéresser de la nécessité logique de se prononcer dès maintenant entre des doctrines inconciliables, espérer dans l'avenir pour les réduire à l'unité et remplacer en attendant la philosophie par une espèce de philosophie. Alors ça, je trouve la dernière remarque tout à fait remarquable et pertinente. Elle me semble s'appliquer exactement à ce que j'ai appelé le discours apologétique plus ou moins rituel, qui est censé avoir pour but de défendre la philosophie contre ses critiques et ses ennemis. À bien des égards, la philosophie dans ce discours est remplacée en réalité par une sorte de philo-philosophie. Ce qui est proposé n'est pas un plaidoyer rationnel en faveur de la philosophie, mais plutôt une incitation à l'amour de la philosophie et une condamnation plus ou moins morale d'une haine de la philosophie supposée qui est considérée en fin de compte comme la seule explication possible des réticences et des résistances auxquelles se heurtent les activités et les productions des philosophes. Tout au début du livre dont je suis en train de vous parler, Renouvier s'attaque ouvertement au modèle hegelien du progrès de la philosophie par dépassement et intégration, qui est selon lui manifestement réfuté du point de vue factuel, par l'existence, aujourd'hui comme hier, d'une pluralité de systèmes philosophiques qui sont réellement incompatibles entre eux et qu'aucune construction synthétique d'aucune sorte ne peut, selon lui, espérer réussir à réconcilier et à réunir. Donc voici ce qu'il dit au début de son livre, à propos de Hegel, si, la philosophie, si l'on en croyait Hegel, serait un tout organique, se développant selon des lois nécessaires. Il aurait un contenu réel, toujours le même, formé d'une seule et même vérité, qui seulement traverserait des phases diverses pour arriver à une expression définitive. Les systèmes ont la prétention de représenter l'idée entière de la philosophie, mais ils n'en seraient en ce cas que des parties ou des degrés, des moments, des déterminations soumises à une succession logique. Il serait nécessaire, chacun à la place qu'il occupe dans l'ensemble, et même aucun d'entre eux n'aurait vraiment péri, car après avoir figuré en leur temps et à leur rang dans cette espèce de découverte progressive de la pensée par elle-même, qui est l'histoire de la philosophie, ils subsisteraient, fixés à jamais dans la philosophie accomplie qui les absorbe et représente le résultat définitif de leurs productions et destructions mutuelles, semblables à une plante dont le fruit est à la fois la vie et la mort de tous les organes végétaux qui l'ont formée. Ce système absolu, souligné, ne pouvait être, on le comprend, que celui de l'auteur lui-même. Je ne suis pas en train, vous en doutez, de me demander si les gens comme Renouvier et un bon nombre de lecteurs français de l'époque ont correctement compris Hegel. Je me contente de vous exposer la façon dont dans ces idées ont été assez souvent reçues. Alors, d'après Renouvier, en plus du fait que le système hegelien revendique un privilège injustifié, qu'aucun souci de conciliation et de synthèse ne peut contraindre à lui accorder, on peut constater que l'histoire de la philosophie ne confirme en aucune façon l'idée que l'auteur se fait de la situation. En effet, cette histoire, l'histoire de la philosophie, ne propose en permanence qu'une confrontation entre des systèmes qui se contredisent les uns les autres et dont aucun ne représente ni ne pourra jamais représenter le tout de la philosophie, mais seulement, tout au plus, donc une option possible parmi d'autres. Alors, vous voyez ce que dit Renouvier.
sur ce point, tout homme d'un jugement ordinaire qu'on mettra en présence du spectacle qu'offre l'histoire de la philosophie s'en formera d'emblée une idée singulièrement différente de ce que voudrait le sophisme de la philosophie hegélienne. Le point de vue où celui-ci prétend nous placer exigerait de deux choses l'une. Ou qu'il fût possible de composer des synthèses de conceptions réellement contradictoires entre elles, de formuler des sortes de vérités compatibles avec le oui et le non touchant les mêmes questions, ou qu'il n'existât de contradictions réelles ni entre les doctrines les plus considérables qui se rencontrent dans l'histoire, ni entre telles ou telles de ces dernières et la doctrine par laquelle on se propose de les unir en leur donnant satisfaction à toutes. Le premier moyen de sortir du dilemme convient à une philosophie qui nie le principe de contradiction, et il est naturel que le penseur qui n'est pas arrêté par ce principe, dans l'idée qu'il se forme des existences, ne le soit pas davantage dans l'explication qu'il donne des opinions. Mais précisément, toutes les autres philosophies sont inconciliables avec la sienne sur ce chapitre. Elle peut bien les absorber, mais non de leur consentement, ni autrement qu'en parole. Le second moyen de sortir du dilemme est un démenti donné aux faits les plus éclatants. Dès l'époque la plus ancienne où les hommes ont appliqué l'effort d'une réflexion personnelle à l'intelligence du monde, à la recherche des causes premières ou cachées, il s'est produit des vues absolument divergentes, des affirmations mutuellement contradictoires, il s'est formé des écoles et des sectes dont les unes contenaient ce que les autres contestaient et vice-versa. Une fois encore, Renouvier pense qu'il faut véritablement prendre au sérieux, même prendre à la lettre, donc la situation contradictoire dans laquelle se trouvent les différents systèmes philosophiques les uns par rapport aux autres. D'après lui, donc, un philosophe ne peut accepter la conception hegélienne que si, ou bien il pense qu'un système philosophique n'est pas tenu de respecter le principe de non-contradiction, ou bien il estime que la contradiction logique qui existe entre deux systèmes philosophiques, lorsque l'un affirme ce que l'autre nie, cette contradiction est seulement apparente et il s'arroge le droit, qui lui sera sûrement contesté, de réinterpréter et de reformuler les assertions des philosophes de façon à ce qu'elles cessent de se contredire et, bien sûr, de contredire le système qui affiche la prétention de les réconcilier. Tous les philosophes qui sont décidés à prendre réellement au sérieux le pluralisme comme caractéristique constitutive et non pas simplement accidentelle et provisoire de l'entreprise philosophique, tous les philosophes de cette catégorie-là ont évidemment tendance à rejeter comme inacceptable la vision hegélienne de l'histoire de la philosophie. C'est ce que fait en particulier Martial Guéroux, qui, comme je vous l'ai dit, a été un des maîtres principaux de Villemain. Et Martial Guéroux a écrit à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, un livre intitulé « Philosophie de l'histoire de la philosophie » qui nous retiendra un bon moment par la suite. Alors, pour le moment, ce dont je voudrais vous parler, pendant quelques minutes encore, c'est le fait que les raisons pour lesquelles Guéroux n'accepte pas un point de vue comme celui qui a été défendu notamment par Renan, qui proposait de considérer la véritable philosophie comme devant être dorénavant quelque chose comme la science historique suprême, à savoir la science du développement de l'esprit humain, dans laquelle les créations philosophiques du passé peuvent être utilisées comme des monuments et des documents qui sont certes d'une importance particulière, mais ne sont de toute évidence pas les seuls à devoir être pris en considération. Renan, dans son plaidoyer en faveur des sciences philologiques, dont il souligne que le développement de la philosophie contemporaine va leur accorder une place nouvelle et de plus en plus importante, Renan écrit ceci, qui correspond à une tendance tout à fait générale chez lui, et on pourrait trouver d'autres passages qui vont tout à fait dans le même sens. Un pas encore, dit-il, et l'on proclamera que la vraie philosophie est la science de l'humanité, et que la science d'un être qui est dans un perpétuel devenir, souligné, ne peut être que son histoire. La science d'un être qui est dans un perpétuel devenir ne peut être que son histoire. L'histoire, non pas curieuse, mais théorique de l'esprit humain, telle est la philosophie du XIXe siècle. Or, cette étude n'est possible que par l'étude immédiate des monuments, et ces monuments ne sont pas abordables sans les recherches spéciales du philologue. Donc, vous voyez, d'une certaine façon, il faut commencer par la philologie pour pouvoir faire la philosophie telle qu'elle doit désormais être conçue. Alors, une conception du genre, de celle que défend Renan, est, comme je vous l'ai dit, inacceptable pour Guéroux. Parce que si la philosophie a une histoire qu'il est essentiel de connaître, et avec laquelle
Elle entretient un lien spécial qui n'est pas du tout celui que la science a avec sa propre histoire. Elle n'est pas pour autant elle-même une science historique. Donc Guéroult ne conçoit pas du tout, n'a aucune tendance à concevoir la philosophie comme étant elle-même une science historique. Dire que l'histoire de la philosophie est essentielle, que la philosophie entretient un rapport essentiel avec son histoire, n'est pas du tout la même chose que dire que la philosophie doit devenir la science historique ou qu'elle doit devenir en quelque sorte la science historique suprême. Mais il faut remarquer que Guéroult n'accepte pas non plus, donc il ne peut pas accepter une conception comme celle de Renan, mais il n'accepte pas non plus la conception hegelienne d'après laquelle toutes les philosophies successives sont à la fois conservées et dépassées dans la philosophie ultime et ne correspondent pas, comme on pourrait le croire, à des idées différentes, qui sont en nombre aussi grand que les systèmes eux-mêmes, mais simplement à des moments différents d'une seule et même idée totale. C'est une conception que Guéroult ne peut pas accepter, parce que, et là entre autres inconvénient majeur, celui de faire ressembler beaucoup plus qu'il ne le faudrait l'histoire de la philosophie à l'histoire des sciences, et de la rendre du même coup inessentielle et même facultative. Voyez par exemple ce passage de philosophie de l'histoire de la philosophie sur lequel je terminerai pour aujourd'hui. Guéroult dit, donc il fait référence à Hegel et il dit « La connaissance de ce savoir parfait actuel éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. » Donc sur le stade auquel on est parvenu en philosophie, qui est supposé être le stade suprême incarné en quelque sorte dans le système hegelien. Donc la connaissance de ce stade éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. Dans ce cas, pas plus que la connaissance de l'histoire des sciences n'est indispensable pour l'acquisition de la science sous sa forme la plus parfaite, c'est-à-dire la plus récente, la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est indispensable pour l'acquisition de la plus achevée des philosophies, c'est-à-dire de l'encyclopédie. Il suffit de connaître l'état dernier, celui du savoir philosophique. La philosophie authentique, comme la science authentique, c'est toujours celle de la dernière. Et ça, c'est bien sûr la conception que Guéroult récuse catégoriquement. Il n'est pas vrai que la philosophie authentique, comme c'est le cas pour la science authentique, ce soit toujours la philosophie de la dernière heure. Le mouvement de la philosophie est ainsi, de nouveau, dit Guéroult, involontairement calqué sur celui de la science, la synthèse sous la juxtaposition, ce qui distinguait la philosophie par rapport à la science quant à la relation qu'elles entretiennent chacune à l'égard de son histoire respective, tend à s'évanouir au lieu de se confirmer. Là encore, l'entreprise paraît finalement détruire en la réalisant la fin même qu'elle poursuivait. Donc vous voyez que, d'après Guéroult, le but qu'il s'agissait d'atteindre et qui était celui de la légitimation de la philosophie comme entreprise intellectuelle spécifique et autonome, qui se distingue fondamentalement de celle de la science, donc c'était le but qu'il s'agissait d'atteindre et on est parvenu en réalité à un but exactement inverse. Donc on verra que on aura l'occasion de voir que Guéroult considère que toute conception, celui qui tend à aligner plus ou moins l'histoire de la philosophie sur l'histoire des sciences et la faire ressembler à l'histoire des sciences, aboutit à ce résultat que finalement, du coup, l'histoire de la philosophie devient inutile. Or, comme il estime qu'il est impossible il ne peut y avoir aucun accès réel à la philosophie sans un passage par l'histoire de la philosophie qui se justifie par le fait que la philosophie, à la différence des sciences, a un rapport absolument essentiel avec son histoire. Donc c'est, selon lui, une conception qui est fatale, la conception qui cherche à aligner l'histoire de la philosophie sur l'histoire des sciences est fatale à la fois à l'histoire de la philosophie et à la philosophie. Je vais en terminer là pour aujourd'hui, et la prochaine fois, donc, je vous parlerai de la quatrième question que j'avais prévu d'aborder, c'est-à-dire la philosophie, les sciences et le sens commun. Je vous remercie de votre attention.